Des profils de chiens très différents. On a l'habitude de voir le chien de traîneau comme étant le husky de Sibérie avec plein de poils tout blanc. Voilà, ça devient très rare. C'est des chiens qu'on va plutôt retrouver sur des compétitions de très longue distance comme la Yukon Quest où on leur demande de faire 1000 km. Là, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir de la vitesse, de l'explosivité et la capacité d'avoir de la réactivité dans les virages, dans les montées, dans les côtes. Et du coup, pour gagner en caractère de compétition, bah, ils ont introduit du chien de chasse, voire du lévrier. Donc on se retrouve avec des races qui ressemblent parfois moins à des nordiques. Il y en a, on les voit, ils ont un pelage qui va virer sur le marronnasse, tout en gardant un poil un peu long quand même, avec des oreilles dressées. Ça, on appelle ça l'Alaskan Husky. Et après, on a plus on a introduit de lignées de chiens de chasse dedans, plus on va se retrouver avec des chiens qui ressemblent franchement à des braques, avec des oreilles qui tombent. Pas forcément des très beaux chiens d'un point de vue esthétique. Ils ont souvent les yeux qui restent bleus, parce que c'est un côté génétique qui va rester très très longtemps dans les lignées. Par contre, voilà, ils ont le poil court, ils sont souvent relativement grands, très fit, ils ont vraiment une allure de marathonien, quoi, hein. Par contre, ils ont des cuisses énormes et ils ont des épaules très musclées aussi pour pouvoir arracher la piste. On est une équipe de vétérinaires très complète. On est une équipe de spécialistes. On a chacun un domaine de prédilection. On a des ostéopathes, des kinés, des orthopédistes, des imageurs. On a une urgentiste qui travaille à l'école de Toulouse. Et tout ce petit monde va mettre en commun ses connaissances pour prendre des décisions collégiales quant au traitement sur les chiens. Toutes les lésions de pattes, contact avec le sol, brûlure par le froid, brûlure par les snowballs, donc les boules de neige, de boules de glace. Après, on va avoir tous les problèmes de déshydratation. On est en altitude, donc courir en altitude, ça fait déshydrater l'animal beaucoup plus rapidement. Et puis après, toutes les pathologies ostéo-articulaires qu'on peut trouver, donc des tendinites, des contractures musculaires, etc. À côté de ça, on a un laboratoire d'analyse complet, on a une radio numérique, on a un échographe portable, ce qui nous permet de faire un diagnostic très précis sur la course et nous permettre de cibler les chiens sur lesquels on va dire non, maintenant stop, on les arrête, c'est pas possible, ou oui, en faisant telle et telle manipulation, ou bien en modifiant un petit peu la ration, ou bien en les mettant au repos, on va pouvoir gagner 24-48 heures et puis ils vont pouvoir repartir en course. Ce chien a présenté en revenant un épanchement de l'équivalent de notre poignet au niveau de son carpe. Donc c'est gonflé, mais par contre à la manipulation c'est pas instable, ça n'a pas l'air très très douloureux. L'idée c'est quand même de s'assurer qu'au niveau ostéo-articulaire il n'y a rien à la radio. Et on a ce qu'on appelle le vetbook, que chaque musher possède et conserve, et dans lequel on répertorie tout ce qui a pu être observé pour chaque chien. Et au fur et à mesure, s'il y a différentes pathologies observées, on les note. Moi, je vois aucun arrachement osseux. On voit effectivement que c'est bien gonflé. On a un hôpital mobile qui est très très complet. On a cette chance, c'est d'avoir vraiment tout le matériel nécessaire pour pouvoir faire radio, écho, analyseur, tout. Non, c'est nickel.